Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Tout est possible sur Open Universalis 4, une série dans laquelle on est en guerre contre les Espagnols. J'ai des points en papoté, pourrait être intéressant de les utiliser. On avait déjà pris ça qui est vraiment le plus intéressant pour nous, je pense d'assez loin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'intéressant, ça pourquoi pas? Ça peut être intéressant, mais on a utilisé les points d'un réputation diplomatique, PESF, légitimité annuelle, et réduction de... ça on s'en fout. C'est toujours le pognon, mais le pognon on ne sait plus quoi en faire, donc... Vas-y, hein. Je rappelle plus tellement d'intérêt pour nous hein, à devenir le gars, puisqu'on a nos 100 d'autorité impériale, on va pas augmenter. On pourrait l'utiliser un peu plus fortement par contre, ça on verra. Mais bon, on verra par la suite. Même elle. Ah, on n'a pas résolu le problème. Est-ce qu'on légitime ça ou pas? Est-ce qu'on pourrait effectivement en faire un état client hein, de ces deux provinces? Est-ce qu'on peut le faire maintenant en guerre? Non. Par contre, avant de faire quoi que ce soit, évidemment, ça c'est sûr. Hein, tu fais partie de l'Empire et tu fais partie de l'Empire. Donc on peut pas pour le moment mettre un état client parce que nous, on est en guerre. On va quand même y réfléchir, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de créer un état client. Et surtout, en fait, on va dire ça comme ça plutôt, il n'y a pas d'intérêt à ne pas faire d'état client. On peut ne pas en faire un état client et les légitimer, mais c'est pas très important, on n'a pas besoin de faire des revendications ou quoi que ce soit, de toute façon, OSF. La Lituanie, on peut l'attaquer pour la faire entrer dans l'Empire. Peut-être est-elle trop grande, c'est possible, je sais pas. Mais on pourrait, en tout cas, si elle n'était pas trop grande, une fois qu'on leur a fait rétrécir marginalement en taille, ça posera pas de problème, a priori. Mais bon, de toute façon, pour le moment, c'est pas tellement la question. Toi, d'ailleurs, ça sert à rien de rester là, reviens plutôt par ici, tu seras certainement plus utile. Ça sert à rien d'avoir refait un stack juste pour que l'autre dorme là-bas. On a notre vassal qui attaque Milan à Luc, pourquoi pas, la religion du peuple... on peut faire une campagne contre le syncrétisme, tolérance envers la seule vraie foi plus 1, les clercs gagnent de la loyauté ainsi que de l'influence, ou alors le contraire, les clercs perdent de la loyauté et du coup se rebellent. Puissance des missionnaires, est-ce que ça a un intérêt, la puissance des missionnaires, pour nous? Ça aurait à part ça. Alors déjà on va faire ça, on a quoi? On a un gars. Bah, faisons ça déjà. Puis après, on va réfléchir parce que Constantinople, du coup, si on met les 10, on peut. Je me demande si ça peut pas être intéressant de faire. Parce qu'actuellement, on a un gars qui donne prestige annuel, on a 100 prestige, donc tu sers à rien. C'est un philosophe. Ok. Et donc, du coup, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Honnêtement. De pas prendre ça, puis de pas risquer le problème avec les clercs, mais plutôt de prendre ça, et par contre de faire venir un inquisiteur dès qu'on le peut, pour pouvoir faire Constantinople. Bon, on n'est pas stress non plus pour ce qui est de Constantinople. Ok, boum, je sais que j'utilise les points militaires, mais là, ça va être chiant sinon. Ici, par contre, on est bien parti pour aller assez vite. On a déjà terminé des sièges en Espagne, c'est parfait. Va par là, toi, voilà, hop, boum, boum, bonjour. Et toi, tu vas venir ici aussi, au cas où. Siège de Haute-Provence est terminé, c'est une excellente nouvelle. Va aider ton pote à Milan. Bien, toi, bah, tu finis le siège de la capitale. Je pense que la Provence, on pourra la sortir dans pas très très longtemps. Il n'y a plus d'Espagnols ici, je ne sais pas pourquoi ils sont restés là. C'était pas le choix de la semaine pour eux. Toi, tu vas en Navarre, c'est correct. Ici, on avance. On a eux qui sont déjà à Valence, c'est super. Excellente nouvelle. Ici, donc, on le disait à Milan. Voilà, le 6 de siège est à Milan. L'autre va venir ici se regrouper avec lui. Parfait. Et on va aller prendre un Doomstack pour aller s'assurer qu'on ne se fasse pas occuper des provinces périphériques. Pendant ce temps, on est toujours de ce côté-là. Swab occupe Biscay. Très bien, tu dois certainement avoir un général à mettre. Tu en as un, c'est super. Siège de Marseille est terminé. Ben, c'est excellent. Du coup, Provence.
J'ai pas réfléchi, mais ça va durer des plombes hein, pour nous de faire d'avoir le score de guerre qu'on veut contre l'Espagne, parce qu'on va jamais aller dans les colonies en fait. Tu annules ton alliance avec l'Espagne. En dehors de ça, il n'y a vraiment pas grand-chose à te demander. Hein. Tu peux rétrocéder des provinces. Nice. Bordeaux. Savoie à la France, non. Nice et Bordeaux, ça peut être pas mal. Tu veux pas? Tu veux pas? Bon, on peut peut-être ne pas prendre de Warep. On ne prend pas de Warep, on lui demande de relâcher ça et de relâcher ça. Parfait. Ok, on a perdu un adversaire dans cette guerre. Et bon, l'objectif de guerre, c'est la capitale. C'est déjà une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on l'aura, vu qu'on aura Madrid prochainement, j'imagine, hein, puisque là, on est bientôt sur la fin du siège. Christophe Wurst, d'accord. Gagne 50 de puissance admin et 25 de puissance diplo. C'est vraiment les points qui m'intéressent pas du tout. 50 de prestige, ce qui ne m'intéresse pas non plus du tout. Donc ça, c'est moins mauvais, en fait, pour nous. Enfin, moins mauvais. C'est mieux, quand même, globalement. On va dire mieux, hein, mais... Il faut le dire vite. Toi, tu vas par là, toi, tu vas ici. On continue à rester groupés parce qu'on sait qu'ils sont quand même relativement nombreux, même si, en fait, ils sont nombreux dans l'alliance totale de tous les pays plus leurs colonies. Ça fait pas tant que ça, hein, par rapport à nous, de manière générale. Alors, on se stack ici. Toi, t'as le 4 de siège. Tu vas aller sur Valence, ou en tout cas t'approcher de Valence, ici, hop, groupe, tu vas au Valais, toi. Soit. Okay, on a 4, évidemment, il a pris le général, il a rien d'autre que de la manœuvre, ça va être super. On se réjouit d'avance. Ségovie est occupée, Soria... Il a bouffé lui. Visoko. Herzégovine. Ou Donji Kradji. Ok, j'imagine que tout ça c'est la Bosnie. Yeah. La Bosnie existe toujours. Donc. Pas hyper important fondamentalement. Alors qu'est-ce qui va se passer avec la Bulgarie? Comme je vois les choses, ça va passer à la Transylvanie. Il y a une partie qui devrait passer à la Serbie, je pense. Ça va faire une grosse Serbie, c'est un peu le souci. On pourrait lui demander, le seul truc, c'est que... Ok. Si je te demande ça... Ok, tu perds une province. Donji Kradji, je pense, pour des questions géographiques. Hein, des questions esthétiques, mais fondamentalement, ça ne change pas la vie, alors qu'on perd cette possibilité de redemander ça par la suite. Cela dit, pour quelle raison on pourrait lui demander ça? Je n'en vois pas, donc on va quand même lui demander ça. Merci de relâcher Donji Kradji, c'est déjà ça. Et tu boufferas ce que tu peux bouffer là, mais on a quand même, au mieux possible, au plus possible, limité ton expansion. Alors, le plus possible n'était pas énorme, mais quand même. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, il suffit de le pourchasser le temps qu'on finisse le siège de Milan au final. C'est pas très, très important de le choper. Hein. Ok. Je pense que c'est une bonne idée. Les semences de la grandeur. Jolie image. Ok. Nice. Ouais. Ouais, non, alors, peut-être que maintenant, ça va passer. Peut-être que juste avec des canons, ça devrait peut-être passer. T'as raison de continuer, hein. Faut savoir se donner un petit peu. Ah non. Ouais, bah, alors là. Personne n'aurait vu venir, hein. Je comprends.
Ici. Alors toi, je pense que tu peux sans autre faire ça. Pas un souci. Toujours ça. 2 ans avant, on va y aller parce que je sais pas quoi faire de mes points. Honnêtement, les gens, je sais pas quoi faire de mes points. On peut toujours faire des États, Prusse orientale et Courlande. C'est toujours les deux mêmes. On va rester sur nom. Hein. Alors, je creboum, je creboum, je creboum, et je creboum. Voilà, ça c'est fait. Va aider ici avec ton cadre de siège. Non, on va prendre la tech. C'est une tech militaire. Il y a plus 1 de morale terrestre. On prend la tech. Donc on attend. Hein, là, c'est. En plus, c'est l'objectivité des navires. Là, on entre dans les 3 qui servent à rien. Donc on a déjà fait la majorité de ce qu'on voulait faire dans le groupe de doctrine de qualité. Ça va être une horreur cette guerre. Hein. On a l'objectif de guerre, on est à 12% de score de guerre. Bon, vous me direz, il y a encore du boulot, notamment à aller chercher ici, il y a des trucs. Hein. Donc allons-y. Ça va être pas mal. Et Milan, voilà, Milan tombe, c'est excellent. Allons de ce côté-là. Et sortons les Milanais. Pour, a priori, des war rep et de l'argent. Ouais, d'accord. Hein, tu sors, c'est ton alliance avec l'Espagne. Ben, oui et non, en fait. Non. C'est une OPM, Milan. Autant laisser Milan comme prendre un slot. En plus, c'est une OPM qui est à côté de chez nous, donc qui est hyper accessible. Donc, autant laisser cette alliance, honnêtement. Elle est pas plus mal pour nous. Donc, war rep, argent, et tu t'en vas, merci. Super. Siège de Tolède est terminé. Une excellente nouvelle. Du coup, on va continuer à Almeria. Ce stack-là va venir à Albacete. Voilà, le siège de Valencia est terminé. Super. On va aller là. Il devrait arrêter d'aller là. Exact. Et on va aller, par contre, ici... Il me semblait qu'il avait vraiment plus de... Laser militaire, l'espagnol. Est-ce qu'il commencerait à s'endetter, par hasard? Toujours pas. Il a beaucoup moins de mercenaires qu'avant. Et il a plus de réserves militaires. Est-ce qu'il a perdu du professionnalisme? J'ai pas regardé son professionnalisme avant. Il n'y en a plus, de toute façon, donc il peut plus en faire appel à quoi que ce soit. Mais avant, il avait 82 mercenaires, il a moins, maintenant, 47. Par contre, il a récupéré des réserves militaires. Donc je pense qu'il a cliqué sur le bouton une ou deux fois, quand même. Ce serait, le contraire serait surprenant, mais je ne l'ai pas vu, donc j'en sais rien. Pratique. Parce que justement, je me disais, je vais aller là-bas. C'est là-bas qu'il y a l'action, c'est là-bas qu'on veut être. Let's go déjà ici, et puis on va voir ce que ça donne. Comment ça se fait que t'es pas fini ta guerre, toi? Moins 39? Comment ça, moins 39? T'es genre full occupé, mec. Comment ça, moins 39? Bizarre quand même. Mais je vais pas me battre contre des rebelles espagnols, moi. Gain d'inflation, puissance diplomatique. On n'a pas besoin de puissance diplomatique, donc évitons l'inflation. Bon, par contre, il y a peut-être. Oh, nice, il y a un siège à gagner en fait, c'est cool ça. Eh ouais. On a eu de la chance au final. Ok, on va aller du coup aider là, puisqu'on a le 6 de siège ici, donc ça sert pas à grand chose de rester. Oisif comme ça, et l'autre qui n'est pas le 6 de siège va aller à là, voilà, et on a un, deux, tuer des gens, tuer des gens, tuer des gens. On tue beaucoup des gens, j'ai remarqué déjà. Alors, en fait, plus qu'on tue des gens, c'est les gens qui viennent se faire tuer. Hein. Ils ont l'air d'aimer ça. Ce qui est surprenant. Je dirais pas le contraire. Et puis... Ou alors peut-être c'est une autre tactique, ils essayent le spam, ils essayent de nous flooder l'écran, comme ça on ne verra plus ce qu'on fait. Avec des petites troupes qui vont sacrifier juste pour ça. Une forme de kamikaze administratif. Voilà. Pourquoi je regarde encore? De toute façon, c'est... Ouais.
Alors, ici, tu peux me mettre un général, mais moi, lui est probablement plus intéressant dans l'histoire. Ah ouais. Ok, il me reste comme ça pour le moment, c'est pas importantissime. Vous allez là. Vous allez là. Parfait, on a fini le siège des Abruzzes. J'ai vu. On va essayer d'aller là, on va voir ce que ça nous dit. Et ici, je pense qu'on peut se permettre de faire ça. Parfait. On a un stack qui est en train d'aller vers nos rebelles, mais bon, il n'y a pas, c'est pas de souci, puisque il y a un. Fort là, donc ça va rouler. Hein. Le siège d'Almeria est terminé. Ok, non, alors on passe là et là, s'il te plaît, merci. Hop. On occupe Jean. Et on va aller à Cordoba. Ok, parfait. On a bientôt limité en point admin. Puis on est 17 ans en avance, donc bon bah pas grand chose à dire si ce n'est développement, hein. Voilà, on a développé. Parfait, on continue. 33% de score de guerre. Alors on est encore bien loin de pouvoir faire valoir nos demandes, hein, bien sûr. Je pense que ça va être vraiment compliqué d'atteindre le score de 94. On pourrait peut-être dire, ok, tant pis pour ces machins-là. Hein, OSEF, fondamentalement, c'est vraiment juste les trucs pour pouvoir atteindre nos objectifs qui nous intéressent le plus. On verra si tout d'un coup on se dit, ah, mais en fait, il s'avère que. Mais pour le moment, plutôt dans ce sens-là. Les baléares, il n'y a pas moyen de les sortir, sortir quelque chose? Non, hein, il n'y a rien en baléares. Tant pis. Continuons ici, Naples. Ce serait bien si on arrivait à aller à Messine, mais. Mise au ban de l'Empire contre Bulgarie. Comment ça? On a perdu mise au ban de l'Empire. Mais la Bulgarie existe. C'est suffisant pour nous. Ils sont alliés à. Oh, ok. Ils sont safe, c'est bon. Donc, du coup, on peut. Oh, nice. On peut sans autre faire attaquer la Bulgarie quand même. Elle existe toujours. On a toujours une trêve avec elle jusqu'en 30. Pas si longue que ça, hein, bientôt terminée. Honnêtement, quand on aura fini cette guerre, on pourra attaquer la Bulgarie. Combien de personnes on a dans cet empire? Toujours 89. Ça doit pas nous surprendre, hein. On n'en a pas rajouté, me semble-t-il. On en rajoutera certainement un avec un état client ici de 3. Ça fait 92 déjà. Ici, ça va faire 93 avec Naples. Ça va faire 94 avec machin là, 95 à terme avec Navarre, 96 avec Léon. Est-ce qu'on prend aussi la Galice? Moi je pense que la Galice, on a moyen de la faire sortir plutôt, non? Alors là, on pourrait presque en plus. Non, on ne peut pas sortir la Galice, ça demande 21 de score de guerre pour sortir la Galice. On pourrait prendre Lugo. Pourrait-on? On pourrait prendre Lugo. Et sortir nous la Galice, ça ferait quand même du coup du monde. Après, on en est où sur nos filtres anti-spam? On en a combien? On est à 10 et on peut enlever un accès militaire à Tunis. Donc on est à 9, on peut enlever un accès militaire à Venise. Donc on est à 8. Donc on peut sans problème faire ici 3 vassaux. Ce serait le cas. Hein. Puis à terme, on pourrait virer quelques alliances. Hein. L'alliance avec Liège est-elle utile? Pas vraiment. Ouais, donc prenons Lugo et puis sortons tous les vassaux espagnols en fait. On s'occupera de l'Estonie et de la Livonie quand ça fera sens, honnêtement. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, ainsi que la Crimée. Hein. On va certainement switcher de vassaux au bout d'un moment, c'est tout. C'est simple que ça. Dès le moment où ils auront entré dans l'Empire. Donc faisons ça plutôt. Ok. On peut faire venir Liège. Yes! Bravo! Liège! J'imagine tous les bouchons qu'on pourra faire. C'est que ça de la conversion. C'est très intéressant. Alors, on parlait de mettre un inquisiteur. Ben, c'est super. Il est là. Il est là, tout frais, tout beau. Et effectivement, tu te dis, oh, on peut convertir Constantinople.
Et on peut encore mieux convertir Constantinople, 38 petits mois, à 9 ducats. Ben, c'est cher, mais bon, on a plus que l'argent qu'il faut pour ça, donc c'est pas très très grave. Serbie, bon, on a réglé le problème, c'est pas très très grave non plus. Enfin, réglé le problème, non, mais on leur a dit ce qu'on pensait d'eux. On se retrouve à Albacete. Salut. Ah, plus personne. Ils sont nombreux, hein, les Espagnols. Ils sont pas très très compétents, hein, cela dit. Je vais être honnête. Je suis pas particulièrement effrayé par les Espagnols. On est passé de ce côté-là. C'est excellent. Je pense pas qu'on aura autant de chance en Afrique, malheureusement. On pourrait envisager le tour du monde, pourquoi pas, hein. Si c'est vraiment important pour nous de générer les points, le score de guerre, on peut. Parce que là, on voit, hein, typiquement, on a le siège de Messine qui est terminé, justement, c'est une excellente nouvelle. Ce qui veut dire qu'on peut tranquillou occuper toute la Sicile, c'est bien. T1, c'était un stack, toi. C'est très bien. Voilà, on va occuper toute cette histoire-là, c'est super. Un trait avec le Palatinat est terminé. Oui, c'est-à-dire qu'on s'en fout un peu, en fait. Allez, on calabre, vous autres. Toi, de même. Parfait. Ici. Je pense qu'on va gentiment arriver au bout de ce qu'on pourra prendre. Hein. De manière réaliste, en tout cas. Donc, commencer un petit peu à y réfléchir. Et là, ok, ok, voilà, on retourne à la maison. Ça peut avoir la peine de la prendre maintenant. Non, mais non, on a besoin des points militaires. Attendons quand même la fin de l'année. On prendra, je pense qu'on n'y pensera pas, mais on prendra, si jamais on voit que de nouveau il nous faut une grosse attaque, on la prendra juste avant. Je pense pas que ça suffira, parce que le moral va pas instantanément tic, hein. Je pense qu'il faudra un petit moment pour qu'il se mette en haut. Mais c'est pas grave. Ok, bon, je pense que le problème a été réglé par eux. Je pense qu'ils ont accepté les demandes, quelque chose dans ce goût-là. Très bien. Je peux aller par là, je peux pas aller par là, je peux pas demander le passage aux Ottomans. Peut-être que je pourrais. Malheureusement pas. Mais bon, on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.